quelques pas de danse que t'as dans Si. Je n'en connais plus qu'un, c'est le pas de base. C'est celui-là. Parce que j'ai tout oublié tellement ça m'a... Attention, parce qu'il y a... Film bien, hein. Mais oui, j'ai quand même appris quand même deux, trois petits trucs. C'est regarde bien où il y a... Regarde où il y a la trappe. Et il est gentil avec moi, il dit, dis donc, René, fais gaffe quand même, il y a des trous, hein. Va pas te blesser, vieil homme. Regarde. Alors c'est comme ça. C'est hop, 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 hop. Quand on réalise un film comme réalisateur, quand on écrit un film, on se rend compte que seul on n'est pas grand-chose. C'était vraiment une aventure collective, mais cette aventure collective va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'exploitation. Hein. C'est un producteur qui nous accompagne, mais il faut aussi nos camarades exploitants pour nous faire connaître. C'est l'ultime vitrine. Et c'est vrai que le Cézanne, pour ça, on a l'impression d'être bien défendu, on est en place. Il faut se rendre compte, hein, un film c'est 3 ans de boulot, on remet sa carrière en jeu et quand il est dans la boîte, il ne vous appartient plus. Bah, je peux vous dire que toutes les équipes, quand la lumière s'éteint ou quand elle se rallume à la fin de la projo, ils sont tous très angoissés. L'avant-première du Goût des autres à Aix, ça a été pour nous, Agnès pourrait vous le dire, c'est un souvenir impérissable. Parce que moi, j'avais jamais vu une salle enthousiaste, bienveillante, une salle aussi formidable, enfin vraiment. Évidemment, on avait un peu le trac avant, mais là, ça dépassait toutes nos espérances, en fait. Et je crois qu'un peu tout le monde s'est mis à pleurer, en tout cas, moi j'en suis sûre, et Jean-Pierre aussi. Et après, en plus, le débat était à la hauteur de ça, c'est-à-dire que c'était d'ailleurs pas un débat, c'était des témoignages d'amour, enfin je sais pas, c'était complètement étonnant. Et on était respectés par ce film-là, parce que les gens avaient l'impression d'avoir affaire à des acteurs et des auteurs intelligents, et ça fait plaisir. Donc effectivement, on revient toujours chercher ce moment de grâce. Dans cette salle, je me souviens d'une nuit Luc Besson avec des t-shirts marqués passer la nuit avec Luc Besson où on avait passé 4 ou 5 films. Je me souviens du Grand Bleu aussi où ça avait été exceptionnel. Vraiment, j'ai que des bons souvenirs. Antonioni tournait par-delà les nuages sur Aix-en-Provence. Il était assisté de Wenders. Et Jean-Marie, qui savait que j'étais assez fan de Wim Wenders, m'a demandé si je voulais organiser une rencontre avec Wenders et le public autour d'un film que n'avait pas vu Antonioni, qui était Paris, Texas. Et la salle était pleine à craquer. Et il y avait une rumeur qui s'amplifiait dehors sans savoir qu'est-ce qui se passait. En fait, il y avait un monde fou qui attendait dehors, qui n'était pas là ni pour Antonioni, ni pour Wim Wenders, qui était là parce qu'il y avait Bono, qui était ami de Wenders, qui était venu assister à la projection. Et en fait, les gens étaient venus surtout pour Bono. Et ça, c'était une rencontre un petit peu étrange. Un souvenir vraiment fort, très fort, du Cézanne, c'est quand on a présenté notre premier film avec les nuls, la cité, enfin notre premier et seul film d'ailleurs, des nuls, avec les nuls, La Cité de la Peur. Je crois que c'était la première fois qu'on montrait le film dans une salle avec des vrais gens. Donc déjà, on a eu un accueil juste hallucinant, c'était un accueil de rockstar, et c'était chaleureux, on s'est marré, enfin bon, on a fait la présentation du film. Et puis après, on s'est sauvé, le film est parti, et nous, on est restés cachés dans un coin pour écouter ce que donnait le film, voilà, avec des gens qu'on n'avait jamais entendus. Et donc on était planqués derrière, alors c'est un peu gnangnan, mais je me souviens qu'on était vraiment émus, qu'on avait vraiment la larme à l'œil, d'entendre des réactions comme ça du film. Donc moi je sais que depuis, je recherche à retrouver en tout cas cette sensation. Et moi j'ai ce souvenir, voilà, vraiment très très ancré profondément. Bon anniversaire pour les 50 ans du Cézanne et à Jean-Marie, et pourvu que de père en fils, ça se perpétue comme ça, ça serait formidable. Voilà. Ah, et bon anniversaire au cinéma. C'est les 50 ans. Du Cézanne? Non, du Cézanne du cinéma. Ah oui? Oui, les 50 ans, non, pas aujourd'hui, c'est 50 ans en 2009. Oui, oui. Bon anniversaire, le Cézanne. Bon anniversaire, la Cézanne, and wishing you continued success. Forever and ever. Always and always. Putain. Tu m'as mis la pression. Alors, non, mais je suis pas du tout pression, moi. Je suis pas du tout impressionné par Clint Eastwood. Je suis pas impressionné par Clint Eastwood. Mais je souhaite de tout mon cœur un magnifique anniversaire au Cézanne, que ça continue encore pendant plein de générations, un minimum de 4 et un minimum de 50 ans. Bon anniversaire, le Cézanne, vœux les plus sincères. À bientôt. Moi j'étais bien là, si vous aviez une autre question, je déroulerais pareil. Hein. Ah bah. Aix est une ville saturée de cinéma, de vedettes, de comédiens? Non, on n'est jamais saturé des belles choses. Moi déjà, j'étais très étonné que ça fasse que 50 ans. Je croyais que ça faisait beaucoup plus, des centaines d'années, voire des milliers. J'imagine que même depuis l'Antiquité, je pense qu'on a découvert des graines, le Cézanne, quelque part. Et une longue vie au Cézanne.